chicane. Voilà, moi je m'appelle Rocco, je fais partie de la famille d'Oer, les musiciens des Sept Marées de la Mer et de Lourdes. Et je viens de Pau, dans les Pyrénées. Ben, Sept Marées de la Mer, je viens depuis que je suis né. Mon grand-père est venu, mon père est venu, on est né dans la musique. Mon grand-père, il était luthier, violon, on joue du violon, de la guitare. Contrebasse, tous les instruments à cordes, on joue des instruments à cordes. Nous, on entendait la musique, et puis bon, j'ai mon neveu à côté. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il était en train de jouer, ben celui-là, il est en train d'apprendre. Et nous, on est musiciens. L'été, on va jouer dans les restaurants. Et c'est comme ça qu'on a notre vie. Quand on peut gagner un peu d'argent pour pouvoir vivre. Demain, ils vont descendre les chasses. C'est là où ce qu'il y a comme des boîtes avec Marie Salomé et Marie Jacobé. Ils vont descendre les chasses. Et après, ils vont prendre la statue de Sarah. On va faire la procession. Et on va l'amener de là où elle a accueilli les deux femmes qui sont venues de Jérusalem. Que là-bas à Jérusalem, ils les ont pris, enfin en Terre Sainte, ils les ont mis dans une barque, et avant ils tuaient les gens comme ça. Et ils les laissaient dériver, sans eau, sans rien à manger, et comme ça ils les laissaient mourir. Et ils sont partis de Terre Sainte, ils sont arrivés ici, et ils ne sont pas morts. Et il y a eu Sarah. Ils disent Sarah la Noire. Elle était là au moment qu'elle les a vus, elle les a accueillis, elle les a donné à boire, à manger. Et depuis là, ben, ils ont dit que c'est notre Terre Sainte en France. Well, my name's Robin Phillips, and I used to be an English traveller, retired now into Normandy. And we come here every year for the festival, the music, and for the blessing of our saint, of course. She was just a straight commercial panel van, and I rebuilt it and designed it and did all this work. Now, this is typical of the gypsy caravans. We've always found that those traditional wagons, they work very well. It's a job to beat that design. The designs, they say, came from early shipping, which makes sense. Small units, everything has to be in there. You've got to have a galley, bunks, lockers. And the carpet is the traditional way of lining the old wagons. Bit of my own design. But again, you can see it's going back sort of Victoriana, really, isn't it? Some prints of my favorite artist, Monet. Yeah, we take our flowers. That's Elizabeth's job. She makes sure the flowers are all done. Got the sound system up in there, look. We can put our tapes on. Well, you put your heart into a job, don't you? When you've done it, you've left a part of your soul behind, I think, as well. That's always nice. All the travellers,
They still look very, very clean. Well, you've observed it all down there with the washing machines and everything. It's spotless. They're very proud of their units and their cleanliness. You are as free as the wind. And we've always said that the sky is our ceiling and the land is our garden. We used to get the little owls, used to come and pitch on the roof of the old gypsy caravan on the canvas roofs and clatter about, because they're a very, very nosy bird. Hedgehogs running around, a badger, we were on a badger's run it one time, and the badger used to come under the wagon with badger's blunder. But I've sat with the old travellers and heard the stories and read about this, that yeah, that certainly they did eat hedgehogs. They were cooked in a deep fire in the clay, they were baked and peeled the clay off. And all the spines and the skin would come off, and it tastes like sweet chicken and pork. There was a lovely story. Some of my friends used to stay, big, tall, young, smart men with lovely black hair. And they always used to say, yeah, they keep it like that because they put hedgehog grease in their hair. I mean, if you've got to go to work in an office or work in a factory, if that's your job and that's your work and that's your environment, yes, it's got to be done. If you've got a family to look after and bills to pay, you've got to have your work. I got a nephew that's in a high-flying business, very clever man. And he spends a lot of his time in a beautiful company motor car and every gadget and communication system in the world. And if he gets stuck on a motorway somewhere, he can always work. I think some people, they are trapped. Some like being trapped, I think. And if you've got a travelling spirit in you, then you're doing what you want to do and you're doing what it tells you to do. I think if you're not one, if it's not in the blood, it must be that difficult thing to understand, that horrendous nomadic instinct where you've just got to keep wandering. For people to get away and enjoy a lot of that freedom, it must be difficult because you just have to walk away. And if you've worked damn hard for your house or something like that, or you're trapped in, or you've got a mortgage, you're in the system, you see. And you're free, you can walk anywhere you like. And if you can scratch a living, make a living, you can start again. You're not bound at all. And that's a fact. Et moi, Wendy. Pour le pèlerinage de la Sainte Sarah. Bah oui, mais moi je viens parce que c'est de ma religion. C'est ce qu'on doit faire, c'est notre devoir de faire. Mais ça a fait bizarre parce que dès qu'ils ont ancré la Sainte Sarah dans la mer, bah, la mer était déchaînée. Complètement, il y avait plein de vagues. Ça dévalait là, quoi. Comme si la mer savait que la Sainte rentrait dans l'eau. C'était vraiment bizarre. C'était impressionnant. Il y en a qui le font, il y en a même qui prennent du sable. Qui prend du sable? Prendre le sable pour que ça ne sert à marcher. En fait, c'est une grande boîte, il y a les eaux de Salomé et Jacobé. Et puis ils descendent avec des grandes fleurs pour prévenir que c'est le jour, vous voyez, les jours qui sont venus les ramasser sur la plage. En fait, c'est pour leur rendre hommage. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Bon. C'est comme ça que moi, je voudrais faire. Prendre la culture de mes parents. Si nous, on le fait pas, il y a des parents qui le feront pas. Et après, il y aura plus rien, en fait. Thank you.
Dis-moi ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je disais que le pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer, depuis des années, appartient un petit peu plus à la communauté gitane. C'est simplement une semaine dans l'année. Mais il est ouvert à tous. Sainte Sarah appartient aux gitans, c'est la patronne des gitans. Mais quand on m'a repris, dès qu'il arrive l'intense, c'est-à-dire que ce sont français, gitans, manouches, espagnols, blacks, quand il prie à la Sainte l'écoute. La Sainte n'est pas réservée seulement pour les gitans. La ville de Sainte accueille tout le monde et toutes les populations. Ce n'est pas réservé à la communauté gitane. Voilà. Merci. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, monsieur. Et nous sommes des Saintes, c'est-à-dire des Saintes, ce sont des gens qui sont nés au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc, on a cet avantage d'avoir une communion entre le peuple gitan et nous, même si ça s'est un peu perdu, parce que les générations changent. Hein, et on n'a peut-être pas perdu totalement l'authenticité de nos rapports, mais nous essayons maintenant, la génération de son père et moi, de reformer ce groupe, cette communion que nous avions dans un temps. Bon, on n'y arrivera peut-être pas, mais on essaiera toujours. Allez, tout le monde a ce couteau. Voilà, c'est bon comme ça. C'est bon, ce couteau aussi. Alors, c'est bon. Les gens, ils n'y voyaient pas là. Poussez-vous. Je ne veux rien savoir. Qu'est-ce que c'est ça? Toutes les années, c'est pareil. Thank you.
Moi, je m'appelle Fouli et je viens de Verdun. Oh oui, ben, depuis tout bébé, on est toujours venus tous les ans. Beaucoup de joie, quoi. C'est comme si, admettons, ici, on se sent chez nous, quoi. C'est fort. Quand on va à la messe et tout, il y a Sainte-Sarah, on fait la procession. C'est quelque chose de fort, quoi. Ça, on le garde toujours en tête. C'est inoubliable. Ben, comme je vous ai dit, c'est comme si on était chez nous, quoi. Les gens sont bien, ils ont l'habitude des gitans et tout. Il y a des fois dans les autres villes, on n'est pas reçu pareil qu'ici. Oui, ils nous acceptent bien, quoi, on va dire. Parce que bon, ils ont l'habitude, hein, il y a toujours eu des gitans ici. Comme ça, la musique, la danse, les chants, ça c'est dans notre culture, quoi. Les vieux, déjà, même avant, faisaient un feu dehors, ils prenaient la guitare, ils jouaient, ça chantait. C'est comme ça, quoi, chez les gitans. C'est toujours la joie, la bonne humeur. Mais pourquoi tu le tues? C'est un bébé. M'en fiche. Ce symbole, ça représente la croix de Jésus, ça représente l'amour, le cœur, la vie, et là ça représente la mer, les bateaux, la pêche. Voilà ce que ça représente, et c'est le symbole de la Camargue. Mais quand même, il pourrait bien avoir un homme là, hein. Moi, je sais pas tous ces hommes là-bas qui... Je suis prêtre et aumônier de Gitans et de gens du voyage de la région PACA, et j'ai été 13 ans aumônier national. Le tzigane, c'est quelqu'un qui a une foi populaire. Une fois du toucher, on touche. On aime bien se mettre, par exemple, s'arrêter près des rivières, avant. Maintenant, on n'arrive même plus par ça. Mais enfin, je dis avant, pour toucher le sacré. Toucher le sacré, c'est le toucher, hein, c'est ça. Toucher, et en même temps, la sainte, on la touche. On la touche, on la caresse. Je vous dirais, c'est une foi tactile, si on peut dire, hein, qui fait que si je touche quelqu'un, je suis en communication avec lui. Toucher la main, mais on peut toucher la main n'importe comment, mais toucher la main avec sincèrement, quand on se touche la main, ben, c'est toi. France, les terrains désignés, c'est-à-dire que le tzigane peut aller, quand il voyage, s'arrêter sur un terrain où toutes les villes de plus de 5000 habitants doivent avoir un terrain désigné, c'est-à-dire pour eux, pour pouvoir rentrer. Puis ça devient un ghetto, parce que pour rentrer, il faut avoir le carnet de circulation. Donc pas de carte d'identité. Hein? Donc il n'y a que ceux qui ont encore des carnets de circulation qui peuvent rentrer. Ils ne peuvent pas aller dans un camping des autres, quoi, des 4G. C'est impossible. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, on offre toujours ce que l'on est soi-même et ce que l'on est capable de faire. Si on n'arrive pas à prier, moi je trouve que la musique est une prière. C'est une façon de s'exprimer, en prière ou autre chose. C'est une façon de s'exprimer, et quand on n'arrive pas à le faire avec des mots, quand on n'arrive pas à le faire avec le savoir des autres, parce qu'on n'arrive pas trop bien à s'exprimer. Il est tombé, car il est pas, il est tombé.
je parlais tout à l'heure par rapport aux malades et tout ça, parce que c'est, en fait, c'est vrai. On a toujours le sens de la famille qui est énorme. Qui est énorme. Par exemple, quelqu'un qui va être opéré. Toute la famille est là. Aux grandes dames de tous les infirmières, des docteurs et tout ça. Ils disent, qu'est-ce qu'ils viennent faire cela? Mais non, on est tous là et on ne bouge pas. Et on attend. Et on attend. Et on attend. On attend. On attend. On attend le résultat. Alors, il y en a une qui demande, docteur, comment ça va? Un autre qui va demander. Il est arrêté par tout le temps. Ils en ont marre. Et c'est vrai, mais c'est notre malade. Quand il y a un malade, c'est toute la famille qui est malade. Hein? Le sens de la famille est énorme. On parlait de l'Angleterre, mais je crois qu'en France, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On perd la notion. On ne mettra jamais quelqu'un qui est assez âgé dans une maison, une clinique, enfin, ou une maison de retraite. Il faut qu'il meure à la maison. Ce qu'il est dans sa famille. C'est impossible, ça.